Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bien bonsoir. Après une longue période d'absence, une parenthèse qui d'ailleurs a commencé par dater, eh bien, Canal Sport est de retour, mais cette fois-ci en club, le CSC. Canal Sport Club prend place dans vos agendas et votre rendez-vous télévisuel. Des invités haut de vol, des rubriques bien concoctées, à la hauteur de l'actualité. Canal Sport Club, c'est toujours du 52 minutes et c'est une équipe chevronnée qui prend le pari de vous servir ce 5 juin 2023. Ali Moumouni s'installe et avec lui, on revisite l'actualité foot du week-end, bien entendu. Ouzeyir Ablaye, our guest coming from Kumasi, prendra place. Vous l'avez bien deviné, les Amazones vont et leurs performances passeront scanner. Il est le sélectionneur de cette équipe nationale. Que retiendront-on, mesdames, messieurs, amis sportifs, des subventions qui ont été mises à disposition depuis le 28 avril dernier? Eh bien, la question, je la poserai dans un court instant à l'autre invité de ce lundi, c'est bien Jacques. Au Koumassou, c'est bien lui le président de la Fédération Biennoise d'Escrime. Est-ce qu'il a déjà reçu les millions? Eh bien, il nous dira dans un instant, eh bien, qu'est-ce qu'on retiendra de cette subvention mise à disposition des fédérations sportives et puis des associations de football. Que reste-t-il, mesdames, messieurs? Et là, c'est l'autre question que je poserai aujourd'hui à qui? Eh bien, aux amis sportifs de la commune de Natitengou. Que reste-t-il des Lions de Natitengou, la mascotte du football dans le grand département de l'Atakorade? Alors, c'est la préoccupation au centre du document Grand Angle de ce numéro inaugural de la nouvelle saison de Canal Sport Club. Vous découvrirez au fur et à mesure eh bien, les autres articulations de ce rendez-vous hebdomadaire des sports. Une fois encore, mesdames, messieurs, amis sportifs, bonsoir. Merci de paraffer ou de renouveler le contrat qui vous lie désormais à Canal Sport dans sa nouvelle domination Canal Sport Club. Ils sont déjà installés avec moi pour cette aventure de 52 minutes. Ali Moumouni, bonsoir, bienvenue. Akimé, okay, bonsoir. Un plaisir de vous avoir avec nous dans ce studio. Eh bien, ça va être comme ça désormais à partir de 21h tous les lundis. Eh bien, le rendez-vous est hebdomadaire. À ma droite, les deux mastodontes du sport au plan national. Eh bien, je vous les ai déjà présentés. Ouzeyir Ablaye, le fils de l'autre. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Akimé. Bonsoir, peut-être. Comme je le disais, our guest coming from Kumasi. Ça a yes. été. Ça a été. Ça a été. Welcome. Yeah, thank you. Voilà. Et puis juste à l'extrême droite, Jacques Koumassou, le président de la Fédération Binoise d'Escrime. Jacques Koumassou, bonsoir, bienvenue. Merci, merci de m'inviter sur ce plateau. Ça a été. C'est un honneur et chaque fois que j'aurai l'occasion, je serai toujours à vos côtés pour de telles initiatives parce qu'avec vous, c'est toujours du beau. Journaliste une fois, journaliste pour toujours. Absolument, parce que ce métier restera toute ma vie le métier qui m'a porté, qui m'a fait connaître et qui m'a permis d'être ce que je suis devenu. Quoi qu'il adviendra, je resterai journaliste toute ma vie. Voilà, merci de toujours nous accompagner, de guider les jeunes frères et les jeunes pousses que nous sommes. C'est vrai que nous également, on a commencé par passer un peu la main, hein, parce qu'il y a bien de jeunes, de très jeunes qui ont commencé par faire convenablement très bien d'ailleurs le métier. Ali Moumouni, ce week-end, sur tous les stades, il y a eu des rencontres, les unes plus intéressantes que les autres, parce que eh bien, l'enjeu n'était pas le même. Certains se battent pour quitter, je dirais quoi, la profondeur du classement, mais d'autres, eh bien, notamment deux trois à se battre hein, pour maintenir soit leur position ou encore renverser, espérant un faux pas de l'une ou l'autre des formations. C'est le cas par exemple de Coton FC qui, eh bien, avec l'autopropo continue le mano à mano. Ce sont d'ailleurs les champions, vice-champions de la saison sportive dernière. Et eh bien, ce week-end encore, on a eu droit à de très belles affiches. Coton n'a pas raté, c'est imposé. C'est le cas également avec l'autopropo qui jouait contre un club emblématique mais qui a de mal ces derniers temps. Je vais parler des Buffles FC de Parakou. Eh bien, vous avez suivi de près ces différentes rencontres. D'ailleurs, le match que vous avez suivi de bout en bout, c'est bien la confrontation entre Coton et puis, bien évidemment, la jeunesse athlétique de Kétou. Rencontre soldée par le score de 3 buts à 1, c'est bien ça? Oui, une rencontre très intéressante. Mais avant de commencer à qui m'épargne, donc, donner les résultats à nos téléspectateurs ce soir, il faut juste reconnaître que, chose curieuse, pour la première fois que ces équipes emblématiques qui représentent l'histoire du football béninois se retrouvent en Super League Pro. Il s'agit bien sûr des Buffles FC, des Requins de l'Atlantique et aussi des Dragons de Lomé. Ouais. Les trois équipes traînent toujours en bas du classement depuis quelques jours. Chose curieuse, hein. Chose Requin, curieuse, bien entendu. Dragon. Dragon. Ah, mais franchement, c'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure, avec mes invités, on dirait un mot là-dessus. Ce sont des rescapés du maillot d'une autre. Il y a une qui est en grosse difficulté, mais qui a fait pratiquement, je dirais, une certaine stabilité durant les 10 dernières années. Je veux parler des Buffles FC de Parakou. Qu'est-ce qui
ne marche pas. Qu'est-ce qui explique les contre-performances actuelles au niveau de cette formation? Peut-être que, comme je l'ai dit, le fils de l'autre nous dirait un peu de quoi ça retourne, même si ailleurs il officie en tant qu'adjoint au niveau donc de l'autopropo. Eh bien, on essaiera de comprendre. C'est d'ailleurs pour ça que le grand angle va nous amener aussi à aller savoir que sont-ils devenus les lions de l'Atakora. C'est une parenthèse. Je vous laisse continuer à les mouner. Alors, donc, comme je le disais, donc, chose curieuse pour ces trois équipes qui se retrouvent en difficulté. Et donc, pour cette journée, les équipes, sauf les Dragons FC de l'UME, ont su donc tenir en échec, sinon je dirais on su arracher le point de nul face à leur adversaire. C'était donc l'association sportive du port autonome de Cotonou, et ainsi voici donc les différents résultats de cette 21e journée de la Super League professionnelle du Bénin. L'Union sportive de Cavalier de Niki s'est imposée à domicile face à Banigansé 1-0 à l'arrivée, victoire de Dadier 2-0 face à Damissa. Dadier qui a commencé donc par aligner des succès depuis quelques journées. Okay. L'Autopropo s'est imposé face à Astakoune très difficilement bien entendu, mais à domicile, ce qui est très très important pour cette formation qui conserve toujours l'écart de 7 points face à son adversaire actuel qui est bien entendu Coton FC pour la course au titre. Ayema s'est imposé 1-0 face à l'association sportive de Cotonou, victoire très importante pour cette formation qui veut quand même jouer le haut du tableau. Buffle s'est incliné à domicile 3-1, on en parlait tout à l'heure, défaite très difficile pour l'équipe du Borgo. Les Cotons ont pris le dessus sur cette formation de la jeunesse athlétique de Ketou, pourtant ambitieuse, qui était venue donc pour arracher ne serait-ce que le match nul, mais une mauvaise entrée a permis donc aux Cotonniers de s'imposer à l'arrivée 3-1 pour Coton qui conserve toujours l'avance sur son dauphin, l'Auto Popo. Dragon et Aspac 0-0 entre les deux formations. Et pour finir, les Requins, comme je le disais, n'ont pas aussi su tirer leur épingle de jeu à domicile face à l'AS Vo, se sont inclinés sur le score 1-0. Avant de passer au classement, puisque ça saute déjà à l'œil, c'est 14 buts qui ont été marqués à l'occasion de ce 21e acte de la Super League professionnelle. 3-1. La rencontre l'avait suivi. Score flatteur entre Coton et Jacques, c'est bien ça? Ou est-ce que vous avez l'impression que, eh bien, il n'y avait pas match entre les deux formations? Non, on sait qu'aujourd'hui que Coton est quand même l'équipe la plus en forme dans le championnat. N'eût été les quelques faux pas donc de l'Auto qui s'est fait, je dirais, rattraper au score par Requin, entre autres, et également par d'autres équipes lors des 19e et 20e journées. Oui. En dehors de ça, on peut dire que Coton quand même était parti pour gagner cette explication. Mais certes, on sait que l'équipe de la Jacques a réalisé de très belles performances cette saison à l'extérieur avec des matchs nuls alignés. Je crois 6 matchs nuls pour toutes les sorties qu'ils ont réalisées pour cette saison en Super League professionnelle, pour être précis. Et donc, c'était parti pour une bataille, je dirais, rude. Mais à l'arrivée, la Jacques a mal entamé la rencontre. Et donc, c'est vu. De Bénin. Au cours des 15 premières minutes. Exactement. Et donc, le sort était scellé à la fin. Donc, Chérif Tinmama qui permet à son équipe un garçon après, qui, franchement, a du talent. La percussion, le dribble, la justesse, la précision. C'était tout un cocktail à l'occasion du troisième but, d'ailleurs, dont il est le passeur décisif. Fablé Ouzirou, quand on s'impose 3-1, l'Auto, dauphin actuel, s'impose là aussi, puisque la rencontre l'a suivi d'une manière ou d'une autre. Je dirais difficilement, puisque là, ça ne connaît quand même pas un petit morceau dans ce championnat, dans cette Super League Pro. 1-0, je dirais, résultat satisfaisant, parce que eh bien, une défaite aurait été quand même, je dirais quoi, c'est signé, abandonner carrément le titre. Quoi. Ouais. Je pense que, ouais, comme il a dit Ali Moumouni tout à l'heure, les deux matchs nuls que nous avions enchaînés à un moment donné n'ont pas vraiment aidé. Quoi. Surtout le match contre les Requins où on menait 2-0. Exactement, on s'est fait rattraper. Ouais. Puis voilà, je pense que c'est à ce moment-là que Coton a pris vraiment le large. Mais ce n'est pas terminé. Tant qu'il y a possibilité mathématiquement de jouer le titre jusqu'au bout, je pense qu'on va le jouer. Quoi, parce que tout est possible. On a vu aussi Coton faire un match nul sur l'avant-dernière journée. Face à Damissa. Donc tout est encore possible. Il faut juste y croire, parce que voilà, si vous y croyez plus et qu'après vous avez l'adversaire qui laisse des points en route, là vous aurez que vos yeux pour pleurer à la fin du championnat. Exactement. Avec beaucoup de regrets, quoi. Donc il faut vraiment jouer à fond. De toutes les façons, tout le monde est concentré. Moi j'étais pas là, mais bon, vous savez, même quand je suis pas là, forcément je suis à l'intérieur. Et Mathias Deguenon, je pense qu'il fait tout quand même pour que tout le monde reste en alerte afin de jouer tous ces matchs à fond. Et Jacques, vous suivez, je dirais, pas forcément tête dans le guidon cette ligue professionnelle, mais bon, il y a quand même du bon, il y a quand même du beau. Il y a des joueurs de qualité dans ce. Oui, dans malheureusement, cette ligue professionnelle. J'ai été un peu déçu par
la mise en place de ce championnat, parce que j'estime pour un petit pays comme le Bénin, où on n'a pas 1 million de licenciés, je parle sous le contrôle d'un ancien joueur, d'un ancien international, je me dis on aurait pu resserrer les lignes et faire véritablement en sorte qu'on ait à peine 12 clubs en première division. Vous comprenez, des pays comme le Portugal, tout ça aujourd'hui, on respecte le Portugal. N'eût été les indices de l'UEFA qui essaient toujours, sur le plan peut-être des ressources financières ou de la puissance diplomatique d'un pays, la France ne serait jamais devant le Portugal en termes de ce que chaque club portugais apporte dans le championnat et au niveau des indices UEFA, sur le plan intrinsèque des valeurs des clubs. Donc quand je reviens, je fais cette digression, je reviens pour dire on joue trop. Et ça ne resserre pas les lignes. On a trop de joueurs et papiers. Je suppose qu'on a 10 clubs. La Super Ligue, on joue la Ligue Pro. Ouais. Oui, mais on a perdu trop de temps. Un championnat, on ne perd pas beaucoup de temps. C'est du là-bas, c'est du sérieux. Oui, si, oui, on a perdu trop de temps. Et du coup, les joueurs, les meilleurs joueurs qui auraient pu être dans l'auto, dans Coton, dans peut-être les Requins, les Dragons, c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps là à regarder dans le rétroviseur et à se dire quels sont les grands clubs. Parce que leur tableau de bord aujourd'hui, peut-être on est avec des formules, des véhicules qui ont des moteurs de Formule 1 et les anciens clubs historiques ont des moteurs de chevaux. Ils n'ont pas changé de moteur, ils n'ont pas changé de conducteur. On se demande parfois est-ce qu'il y a un pilote dans le cockpit. On a même voulu leur prendre des pièces au niveau. Non, parfois on se demande, ces clubs historiques, est-ce qu'il y a un pilote dans le cockpit. On se demande est-ce qu'il y a un pilote à bord. Parce que quand vous voyez ce qui se passe, ça veut dire resserrons les liens. Je me dis peut-être la réflexion va être poussée parce qu'il faudrait qu'on en arrive à un championnat Super League véritablement. Avec une entame de 14 clubs, je vous assure que le Bénin, avec les moyens qui sont mis, je salue parce que c'est vrai, on ne le dira jamais assez, mais je salue la magnanimité du chef de l'État, cette vision qu'il a apportée, parce que c'est lui, avec son programme d'action du gouvernement, qui a décidé de mettre à disposition tous ces stades. Ouais. Et du coup, ces stades ne seront rentables, ne seront profitables pour la jeunesse sportive béninoise que lorsque derrière. On a regardé la finale de la Ligue des Champions hier. Ouais. Et on a vu, ils n'étaient pas plus forts que nous. Quand je regarde Wydad face à la Ligue du Caire, je regarde le match à un moment donné, quand vous voyez un joueur sénégalais qui est à ce niveau, et on ne retrouve pas nos joueurs, ça pose toujours des problèmes. Donc on se dit, resserrons les lignes. Je reviendrai toujours dessus, parce que je ne peux pas aller dans le même sens. Je suis un compte courant. Je vois les autres faire et je ne peux pas accepter que dans un pays où on n'a pas 1 million de licenciés, qu'on ait 36 clubs en première division. Les moyens de l'État ne peuvent pas être dispersés. Les ressources aujourd'hui qui sont mises, si on avait 16 clubs et on mettait 100 millions à la disposition de chaque club, comme l'État saoudien vient de le faire, parce que le choix de Benzema par rapport à Al-Ittihad est un choix de l'État saoudien. L'État saoudien, le prince saoudien, a décidé de faire du championnat saoudien l'un des meilleurs championnats les plus suivis au monde. En injectant beaucoup d'argent. Et c'est pareil qu'on le fait ici. C'est ce que le président Talon a décidé. On met à 7 millions, et mais là, on réduit. Oui, mais la masse, c'est un peu comme la pyramide. On a de l'argent qui est en forme pyramidale. On éparpille trop l'argent. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on resserre, qu'on ait une base très resserrée. Alors, vous voyez, le sommet aussi sera resserré. Parce que l'élite. L'élite demande beaucoup de moyens et l'élite ne peut pas être dispersée fait. C'est beaucoup de moyens, l'élite. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Hein. Les joueurs et tout ce qu'il y a autour, l'encadrement. Et on est obligé parfois de faire un peu restreint pour ne pas avoir, je dirais, un encadrement bien étoffé parce que bon, les moyens n'y sont pas. Et on peut pas quitter. Il y a seulement quelques jours, le 28, qu'on a mis à disposition les subventions. Il doit y avoir une classe intermédiaire. Pour régler cette affaire. On ne peut pas quitter le CM2 pour aller à l'université. C'est hors de question. Vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est vrai que c'est. Certains le font parce qu'ils ont des précepteurs à la maison. Ouais. Est-ce que nous jouons des précepteurs? Je ne sais pas. Je prends cette image des précepteurs. Donc, pour caricaturer, on ne peut pas quitter le CM2 à venir faire l'université. C'est un peu comme l'image de resserrer, avoir un championnat un peu smart. L'image de sport, c'est qu'on voit les gens qui quittent le CM2 et en même temps, ils veulent aller à l'université. On les met dans les classes en mathématiques, en CBG. Vous comprenez, à la fin, c'est l'échec. En attendant, que l'idéal de Jacques Koumassou se réalise, et bien Ali Momouni, vous nous donnez un peu, je dis quoi, l'incidence des résultats de ce week-end sur les résultats. Les classements généraux pour le compte de cette 21e journée de la Super Ligue professionnelle du Bénin. Coton est toujours leader avec donc 51 points cette fois-ci, toujours 7 points d'écart sur son dauphin Lotto Popo qui totalise 44 points à Yema. Troisième avec 36, Dadier suit donc avec 32 points, toujours dans cette première partie du tableau du classement général. Il y a Dynamo d'Abomey, l'Union sportive des Cavaliers de Niki, ASVO,
et d'Amissa. Puis au niveau de la deuxième partie de ce tableau, la Jeunesse Atlético de Kétou, pardon, qui était septième, qui perd deux places et se retrouve donc à la neuvième place. Aspac est dixième, AS Cotonou s'en suit bien entendu. Bani Gansek qui totalise 24 points et puis AS Takoune 22 points. Et on a les trois clubs historiques qui s'alignent enfin à partir de la quatorzième place. Requin FC 20 points, Puffle FC 15e 18 points. Et pour finir, les Dragons FC de Louémé qui totalise 15 points avec un goal average de moins 11. Très difficile. Pour ceux-là hein, qui ont fait les beaux jours de ces trois différents clubs, ma foi, en ce moment devant les postes téléviseurs, j'avoue qu'ils ne sont pas, ils ne sont du tout pas gays, ils ne sont du tout pas contents. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe avec les Buffles et avec les Requins et avec les Dragons de Lomé, qui d'ailleurs, dans la foulée, a changé son entraîneur. C'était Stanislas Akele qui était sur le banc et finalement, il a été remercié. Et puis, c'est le directeur sportif qui fait son fils d'entraîneur au niveau. Même chose au niveau des Requins. Les Buffles ont fait. Même chose au niveau des Buffles, ils ont fait une, je dis quoi, c'est un jeu de chaise musicale. Le titulaire n'était plus revenu. C'était l'entraîneur des gardiens qui a pris le club. Et puis dans la foulée, on a estimé que c'était pas trop fameux. Il a cédé sa place à Adam Terrou, hein, qui est toujours resté, je dirais, fidèle à la maison Buffles, le joueur en son temps, qui d'ailleurs a fait les beaux jours de ce club avec, comme je l'ai dit, le plateau ici, Feu et Ouzerou, et que dit Ablaï et Mohamed. Et Ouzerou, en dehors du fait que je vous étiquette en tant qu'entraîneur adjoint et de l'autopropodite, quels sont, c'est vrai, les trois clubs dont on a parlé, ce sont les flops de cette Super League professionnelle, mais il y a quand même des clubs émergents au niveau de cette Super League Pro. Je vais faire allusion à un club comme Cavalier de Niki, ou encore, mettons quoi, la Jacques, on ne l'attendait pas à ce niveau, puisque Jacques, on se rappelle, la saison sportive dernière, ce n'était pas vraiment ça. Mais cette formation de Jacques, quand même, essaie de titiller les grands dans cette Super League Pro. On l'a vu pas plus tard qu'hier, et dans les tribunes, le président de ce club, je veux parler d'un jour Moucharafou. Dites-nous un peu, est-ce que vous partagez vous faites le même constat que moi par rapport à ces clubs, je dirais, émergents? Bien sûr, parce que moi j'ai eu déjà la chance de voir l'équipe de la Jacques évoluer en début de saison, parce que nous avions joué contre eux en aller-retour de matchs amicaux, deux matchs nuls en fait. Donc c'était déjà visible que c'était une équipe qui avait beaucoup de potentiel depuis le début de la saison, quoi. Donc personnellement, je suis absolument pas surpris du résultat de la Jacques. Mais il y a d'autres clubs qu'on a, Ayema, qui est toujours présent depuis quand même une dizaine d'années, qui est toujours parmi les cinq. Ils maintiennent toujours leur position, quoi. Même si c'est pas toujours pour jouer le titre en main, c'est une équipe en fait sûre de ce championnat-là. Voilà. Maintenant, les flops, voilà. Ça avait... Et pendant qu'on cite les flops dans la partie septentrionale, il y a quand même deux clubs aussi qui a bien commencé, qui s'est retrouvé un peu plus en bas. Mais c'est une belle équipe aussi. Vous savez, aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'entraîneurs, de jeunes entraîneurs, qui font de belles choses, à qui il faut laisser beaucoup de temps. L'entraîneur Takoune, il est jeune. Vous avez un autre, Ibrahim Da Silva, qui est jeune. C'est des gens à qui, quand même, on a besoin de donner un peu plus de temps, de la confiance. Okay. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand même, que nous fonctionnons, en fait, je dirais, sur nos cervelles. Parce que pas vraiment de formation. On est obligé de faire avec ce que nous avons. Donc, ça veut dire que nous sommes encore perfectibles et qu'avec le temps, avec un peu plus de formation, on sera meilleur. Parce que si sans formation, vous réussissez déjà à faire des choses, à faire jouer une équipe, parce que je ne demande pas de mettre 11 personnes sur un terrain de foot et de juste venir chercher un résultat, mais de faire jouer une équipe. Exactement. Et Takoune joue très bien. Dynamo Dabomey joue très très bien. Je ne vais pas citer les autres clubs qui jouent bien. Donc avec ces entraîneurs-là, il faut vraiment du temps et de la formation, parce que voilà, on finit jamais d'apprendre toutes les façons. Parce que comme j'ai dit, on évolue aujourd'hui que sur ce que nous avons fait en tant que joueurs et l'expérience que nous avons. Donc, en sachant aussi que beaucoup n'ont pas forcément évolué au haut niveau et n'ont pas vu grand-chose des autres entraîneurs. Les flops, Jacques. Oui, bon, le constat est pareil. J'abonde dans le même sens que Ouzerou pour dire que il y a des clubs qui parfois on se demande est-ce qu'ils ne mettent pas le frein sur le pied sur le frein, parfois, ou ne tirent pas le frein en main simplement parce qu'ils se disent si je gagne, je n'aurai peut-être pas les moyens de participer à une compétition. Parce que parfois, quand je vois Aïma jouer, je dis c'est un bon club. Mais depuis des années, il se hisse toujours entre les 3 et les 5 premiers, mais il essaie toujours à un moment donné de sortir un peu, de casser un peu son jeu. Je ne sais pas, peut-être que ce sont les consignes, mais je dis un bon club. Je ne sais pas pourquoi il n'est jamais champion. Et je vois la jeunesse athlétique de Kétou qui joue aussi bien au foot. Mais vous comprenez, Anjoré, il n'a jamais été champion. Hein. Donc peut-être c'est sa façon à lui de jouer bien au foot. Mais dans le même temps, de demander aux garçons et ne mettez pas le bon
ne bamboulez pas ici, quoi. Mais parlant quand même des flops, parce que parfois on se dit, ouais, les buffles sont en bas, les dragons sont en bas, les requins sont en bas, mais la faute à qui? Je pense principalement la faute aux différents dirigeants de ces clubs, d'abord. D'accord. Même si je reconnais que le modèle actuel a contribué un peu à les mettre un peu en retard. Parce que quand vous avez d'autres clubs qui ont les moyens, qui viennent, je parle des nouveaux riches, qui viennent avec des moyens, c'est clair qu'on a pris suffisamment. On a vu Buff, par exemple, se faire dépouiller, pas par l'auto. Le capitaine de l'auto. C'est parti quand même depuis un certain moment, depuis 3 ans aujourd'hui, je dirais. Oui, parce que quand même l'auto... C'était la belle. Voilà, mais quand je prends ce début de championnat, et même à la moitié de championnat, tous les joueurs des Buffs sont partis. Ouais. Même avant de jouer une compétition africaine, tous les joueurs sont partis. Oui, ouais. Mais je dirais que c'est la faute à leur politique. C'est la faute à leur politique parce que c'est des clubs, ce sont les plus anciens. Est-ce que les moyens participent à la politique? Vous savez, on ne se lève pas du jour. C'est quand même un messie. Oui, on se lève pas du jour. C'est un individu. C'est le seul qui met assez de millions dans cette affaire. Quand vous êtes chef de terre, vous vous arrangez quand même à vous asseoir correctement. Qu'est-ce que les buffles, les dragons et les requins ont fait depuis 40 ans? Oui, quelle base? Je ne parle pas de maintenant, de 2018. Je ne parle pas de maintenant où il y a de l'argent dans le temps. Vous posez un dans le temps. Malheureusement, papa n'est plus en vie pour vous dire. Dans ce pays, on avait joué des championnats à 6 clubs. Je suis d'accord. Dans ce pays où on avait de grands clubs, où les dragons étaient 13 fois champions du Bénin, les requins étaient 3 fois, les buffles, les lions de la Takora, c'était des moments où on n'avait que 6 clubs qui jouaient notre championnat. Oui. Et on avait un championnat presque professionnel, à un moment donné, qui générait suffisamment de revenus, parce que tous les buts du Borgou, parce que ce n'étaient pas les buts de Parakou, étaient détenus par des cadres, les fils de Parakou. Oui. Les lions de la Takora, avec l'arrivée des frères Ali Parra qui ont quitté pour rejoindre les requins. Et après, tu prends les dragons, toutes ces histoires, et c'était de belles histoires, et on avait un vrai championnat. C'est la preuve que je reviens toujours sur l'histoire du nombre de clubs dans un championnat qui ne devrait pas dépendre du bon vouloir d'une politique a priori. Mais moi, j'aimerais rejoindre décision... Abdoulaye. En fait, moi, je vais aller montrez-moi en fait le centre d'entraînement de ces clubs. Justement, quand vous êtes depuis 40 ans, je voudrais même rejoindre la zone. Parce que c'est des clubs qui n'ont pas été formés. Quand ils parlent, par exemple, ils sont pas formés. Quand ils parlent, par exemple, de la politique de gestion des clubs, on prend le cas de Aïssa Koné. Ces 5 dernières années, Aïssa Koné, juste depuis le début en Ligue, je crois, en championnat amateur, a déjà commencé par préparer une relève. Voilà. Qu'est-ce que ces équipes représentent l'histoire de ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait ça. Je donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, à Cotonou ou à l'Autopopo, je crois que Aïssa Koné a la capacité de faire venir de renouveler. Justement, il y a une politique qui est mise en place. On parle de cette politique d'abord, avant maintenant de parler des moyens financiers. La politique d'Aïssa Koné aujourd'hui, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir de moyens financiers parce que les joueurs ne sont pas hébergés. Mais il y a juste une petite politique mise en place pour les accompagner sur certains plans afin de mettre. Joueurs professionnels, à ce niveau-ci, si je dois vous contredire, c'est que les clubs comme l'Autopopo vont disparaître aussi parce que ces clubs sont en train de former. En réalité, là, on va faire basique. En réalité, avec les sociétés sportives, en attendant, bien évidemment, que le diagnostic que vous posiez, on puisse le décortiquer davantage, les conventions actuelles avec les sociétés sportives obligent une formation à la base. Donc, est-ce Cotonou a l'obligation de former à la base? L'Auto a l'obligation de former à la base? Coton a l'obligation de former à la base? Exactement. Mais de toute évidence, oui, je suis d'accord que vous auriez estimé et souhaité d'ailleurs qu'un travail de relève se fasse depuis bien longtemps. Ben, oui. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Ça se paye cash parce que, bon, pas de grands moyens. Ce n'est plus les sociétés sportives ne sont pas allées à l'assaut. Malheureusement, de ces 3 clubs, c'est beaucoup plus à l'assaut d'autres clubs. Je n'ai pas compris comment ça s'est passé pour que ces clubs-là aient été vraiment orphelins. Et des sociétés sportives, le CNCB a tenté avec les buffs. Malheureusement. Ça fait flop, ça n'a rien donné. Les Dragons, avec, je crois, cette fois, si on parle d'OFMA, c'est un consortium, je crois, qui est à la tête des Dragons. Mais là aussi, ça ne bouge pas véritablement. En gros, la formation à la base, vous l'indexez. En dehors de la formation à la base, qu'est-ce qui encore peut expliquer
la situation actuelle de ces clubs. Je l'ai dit, le modèle actuel, effectivement, n'arrange pas forcément ces clubs identitaires, en fait. Et vous savez très bien de quoi je parle. Le problème s'est posé avec les Buffs du Bois-Vous et le CNCB à un moment donné. Oui. Parce que les dirigeants se marchaient sur les pieds. C'est clair. Et vous savez que ces dirigeants, que ce soit au niveau des Dragons, au niveau des Requins ou des Buffs, les gens qui sont là depuis 40 ans, qui sont vraiment implantés dans la chose, quand on vient et qu'on en fait, on veut leur arracher un peu de pouvoir, ça devient un peu de pouvoir, ça devient compliqué. On va faire un peu général, et ça me permet là de porter une entorse hein, au conducteur de l'émission de ce jour. Et ce sera grâce, je dirais quoi, à l'intelligence de la réalisation pour que nous proposions alors aux amis téléspectateurs, je dirais quoi, le grand angle hein, sur les lions de l'Atakora. Que reste-t-il de ce club emblématique hein, du grand Atakora d'alors, eh bien, la question l'a posée. Pas seulement, je dirais quoi, aux acteurs, mais à certains quand même hein, qui ont vu les lions de l'Atakora éclore au niveau donc, de ce département. C'est une réalisation signée Alassane Aruna Armé Sarbi Drissou. Voilà. Autrefois reconnue comme une citadelle du ballon rond au Bénin, après toutes les gloires qu'a connu son club phare, les Lions FC de l'Atakora vers les années 80, la ville de Natitengou traverse depuis quelques années une léthargie totale en matière de football. Après plusieurs crises successives sous l'ancien découpage territorial, les Lions FC de l'Atakora vont se disloquer pour devenir les Lions de Natitengou. Cette dernière va évoluer jusqu'à la saison écoulée en Ligue 3 et suite à sa débâcle de Parakou en fin de saison, le club va disparaître des radars aux grandes dames du public et des anciens joueurs dont Imourou Abdou Adam, cadre de l'équipe des années 90. Sincèrement, ça nous fait véritablement mal. En principe, vu la renommée donc, de ce club, elle ne devait plus se retrouver donc, à ce niveau-là de déchéance et retomber donc dans l'oubli. Les Lions FC n'est pas la seule équipe de la ville à connaître un déclin. Aslam et Asso FC ont subi le même sort. Pourtant, ce ne sont pas les infrastructures sportives, encore moins les joueurs qui manquent dans la cité. Ce qui a causé tout ça, je pense que c'est les hommes. Et j'impute cette responsabilité à la fédération qui a précédé les deux mandats de Machuel Deschacus. Vous savez, en son temps, bon, comme je l'ai dit, il y avait un match où nous sommes partis jouer à Vrancou. Malheureusement, à Vrancou, c'est le club de monsieur trésorier de la fédération. Et les gens, ils ont molesté là-bas, sérieusement. Alors, le commissaire au match n'a pas fait un rapport fidèle. Vous savez, la population ici, les gens étaient montés. Bon, ils ont su que bon, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Alors, les gens ont riposté ici. Et après, ils sont repartis à Cotonou. Bon, comme ils avaient les moyens, ils avaient la presse, ils avaient tout. Alors, la fédération a pris ses responsabilités, qu'elle n'a pas prises avant un coup. Alors, notre terrain a été suspendu. Tous nos matchs se livraient à Parakou. Les habitants étaient mis à contribution. Alors, c'est là où maintenant, le déclin a commencé. Si certains accusent la Fédération béninoise de football de feinte et l'arbitrage, d'autres par contre avancent l'absence d'une union sacrée autour des clubs et le manque de moyens financiers pour justifier le déclin du sport roi dans la cité. Et le gros problème en fait donc, de la ville de Natitengou, je dirais que c'est un manque d'union, un manque de solidarité et surtout une méchanceté gratuite. Et c'est ça qui fait que nous piétinons. Et on est toujours donc dans les profondeurs donc de, au niveau donc du football. Le problème date de longtemps, depuis que les Lions étaient même en première division. Vous savez, c'est ça qui a amené une scission. On a Aslam d'un côté, les Lions de l'autre, et on s'entre-déchirait entre nous. Et quand les Lions jouent, les gens de Aslam sont contre, on se prépare même des fois des matchs contre les Lions. Bon, dans ces conditions-là, vous voulez quoi? Il n'y a pas une union sacrée autour du club. Donc c'est ça qui a fait que ce déclin-là est arrivé aujourd'hui. Pour la descente en D2 des Lions, qu'est-ce qui s'est passé en son temps? C'est la même chose. Les gens ne s'entendaient pas. Les supporters de l'Aslam sont venus taper les étrangers. On nous a sanctionné nos trois derniers matchs qu'on devait aller jouer pour se maintenir. On nous a amenés à Parakou. Avec cette hostilité, on a perdu les. C'est parti des fédérations de feintes qui nous ont amenés en deuxième division. Et après, il y a eu réforme. Et
suite à cette réforme-là, on n'était pas en mesure de trouver quelqu'un qui pouvait nous cautionner pour qu'on puisse jouer et la première division. Sans argent, on ne peut pas faire le football. Ne nous leurrons pas. Quand on dit « tel a fait ci », il a ça là et son équipe n'évolue pas. Si moi j'avais ce que les gens disent de moi là, mon équipe serait déjà très loin. Je ne serais pas aujourd'hui ici là. Le mal est donc profond et il faut une thérapie de choc pour sortir le football nantais du gouffre. Moi, mon souhait, l'actuel président des Lions, qu'il essaie au moins d'inviter tous les anciens présidents, tous les responsables du club des Lions qui nous invitent, que nous restons, que nous disons sur la question et que nous voyons ce que nous pouvons faire pour amener cette équipe-là en première division. On peut s'entendre, tous les clubs de Nati Tengu peuvent s'entendre, on n'ira nulle part. Aujourd'hui, le sport, le football, c'est de l'argent. Vous n'aviez pas l'argent, vous restez. La thérapie, comme je l'ai dit tantôt, d'abord, il y a une thérapie structurelle d'abord. Fédération, il faut revoir le mode de fonctionnement de la fédération. Il faut aussi revoir le financement. Parce que la fédération subventionne les clubs. Vous voyez, non? Bon, il y a une différence, une grande différence entre première division, deuxième division, troisième division, ainsi de suite. Il faut aussi que la fédération subventionne aussi tous les clubs qui prennent part au championnat, que ce soit quelle que soit la division. Champion du Bénin en 1984, le club de Nati Tengu va représenter le Bénin l'année suivante à la Coupe d'Afrique des clubs champions, d'où il sera éliminé au premier tour. Passé cette année de gloire, les Lions vont sombrer d'année en année pour plonger tout l'Atakora et sa jeunesse dans une léthargie totale. Voilà, merci Alassane Harouna Boussarbi. Idrissou, un peu ce grand angle sur ce que sont devenus les Lions de l'Atakora. Vous avez entendu Abla Ouzirou, Ali Moumouni et puis Jacques Koumassou, des acteurs bien avertis hein, qui d'ailleurs ont été au premier plan de cette formation. La gloire des Lions de l'Atakora, c'est avec Mohamed, vous l'avez vu sur les écrans. On a d'ailleurs vu les, certains présidents qui sont succédés à la tête des Lions de l'Atakora, devenus Lions de Nati Tengu. On a vu Gounou Hadi, qui d'ailleurs en est encore l'actuel président de ce club, qui malheureusement, Lions de l'Atakora n'en parle plus, comme d'ailleurs on ne parle plus des Scorpions. Du Mono, des Caïmans du Zou. Les seuls rescapés, ce sont les Buffles du Paracou, les Requins de l'Atlantique et puis les Dragons de Guémé. Donc, sur 6, il y a encore 3. 3 ont disparu. L'UMB, bien évidemment. Qui a disparu. 3 ont disparu d'une manière ou d'une autre. Mais bon, là, vous avez vu les raisons évoquées de part et d'autre. On parle de la désunion des fils de Nati Tengu. On parle des moyens qu'il faut mettre à disposition. Bref, chacun a posé son diagnostic. Jacques, pour vous, tout la même veine hein, de ce que sont devenus de ce qui arrive aujourd'hui au club historique, traditionnel. Est-ce que vous trouvez un peu les raisons évoquées par les interviewés dans le grand angle d'Alassane Harouna? Oui, mais parfois je crois que nous avons eu un passé sulfureux dans la gestion du football, il faut le reconnaître, parce que quand il parle de certains matchs où je me rappelle, quand j'étais encore, j'arrivais encore à officier derrière les micros, je me rappelle qu'il y avait un reportage qu'on avait fait du côté d'Avrancourt, on avait fait aussi sur un certain nombre de terrains où le comportement des arbitres qui étaient complètement redevables vis-à-vis de leur maître du temps et était désobligeant parce qu'ils étaient obligés de mal siffler. Je m'en souviens comme si c'était hier. On avait même fait les 14 stations d'un arbitre dont vous me permettez, je tais le nom parce que c'est plus le moment d'en parler. Les choses ont évolué, les choses ont avancé. Il est aujourd'hui peut-être grand-papa. Il ne faudrait pas que ses petits-enfants arrivent à se souvenir du fait que son leur papa est déconné. Mais bon, parfois, il faut quand même le dire. Mais bon, je me laisse le devoir de ne pas le faire en ce moment. Parce que mais souvent, ces comportements ont eu droit de cité sur nos terrains et ça a déjoué un tout petit peu et certains résultats des matchs. Et je crois que les Buffles, sur ces comportements, n'ont pas eu tort de rappeler comment les Lions, sur les raisons qui ont poussé et à la déchéance et à la perte de vitesse énorme de ce club. C'est vrai que c'est une raison parmi tant d'autres, parce que les raisons les plus plausible dont on peut faire écho lorsqu'on est dirigeant de football, ce n'est pas ses raisons, parce que sur tous les terrains, même les arbitres les plus avertis peuvent commettre des erreurs, même en présence des VAR aujourd'hui. Donc du coup, est-ce que ces clubs ont suffisamment eu
de quoi se dit, de quoi rebondit sur leurs quatre pattes. Parce qu'il faut former, ils n'ont pas formé. Ouzerou l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont un vivier par le passé? Ils n'ont pas. Est-ce qu'ils ont, quand ils étaient au sommet de leur gloire, est-ce qu'ils ont pensé à un moment donné que tous les clubs du monde peuvent connaître des moments de stagnation et après rebondir? C'est des moments que ces clubs doivent savoir. Et aussi, la façon dont ces clubs ont été érigés aussi, ce sont ces moments, cette façon aussi n'a pas aidé les dirigeants à véritablement se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre à ces clubs d'exister sur la longue durée. Parce que parfois, c'était un choix politique. Il fallait aussi avoir des dirigeants de vision. Oui, mais c'était un choix politique. Les dirigeants sont venus. Vous le permettez, les dirigeants sont venus au foot simplement parce qu'ils aimaient le foot. On dit, bon, ils étaient dans les comités exécutifs de la Révolution, le parti, le PRPB. On dit, qu'est-ce que toi, tu aimes le foot? Tu en parles un peu, viens. C'est comme ça, les AFOR, certains se sont retrouvés à la tête de ces grands clubs qui ont été créés. Et ça a pris. Et ça a pris dans la guéguerre, dans l'envie, parce qu'il y avait le général Owens qui aimait le foot. Souvenez-vous, je vais vous raconter une petite anecdote. Très rapidement. Oui. Il y avait un match qui devait se jouer au stade René Pleven. Et ça, c'est René Pleven en 1984-85, je crois. Et c'était un match où le ministre des Sports d'alors, c'était le général Kouyaté, qui était capitaine. Et le ministre de l'Intérieur, c'était le général Azenro. Les deux ne s'entendaient pas et faisant partie du même gouvernement, ne voulant que le match ait lieu. Et il a fallu que quelqu'un avertisse le général Barthélemy pour lui dire, mon général, tes jeunes sont en train de vouloir semer du désordre ici. Et quand le général s'est porté, les amis tous les deux au Gadavou, parce que c'était le général, ils étaient tous deux capitaines, il a vomiton. Gadavou, il n'y a pas le bon ami. Et on a réduit le temps parce qu'il n'y avait pas de projecteur. Et comprenez un peu dans quelles circonstances et dans quel environnement on jouait le football. Merci aussi. Pour l'anecdote. Alors, vous étiez tout jeune. Vous avez vu papa chausser les godasses, aller au stade pour le compte des buffles. Exactement, tout et tout ce qu'il y a autour. Les lions aussi, on en parlait parce que, bon, quand on dit les buffles du côté du Borgou, les lions du côté de Vantakoa, franchement, c'était quand même l'un des. C'était les derbies qui gardent en haleine plusieurs sportifs. Les fans et tout ce qu'il y a autour, mais malheureusement aujourd'hui, eh bien, les gens n'en parlent même pas. Mais je dirais quoi, en Ligue Pro suite, du tout pas. Encore moins. En troisième division, en Ligue Amateur. Carrément quoi. Ça dit c'est. En Ligue Régionale, en Ligue Régionale, certainement. Ça, les pères fondateurs ne sont du tout pas d'accord avec cette façon. J'ai parlé tout à l'heure de. Moi, je dirais clairement de notre manque et de. Et fort heureusement, d'ailleurs, que 2011, Bouniaïa est passé par là, sinon il n'y aurait même pas ce stade. Il n'y aurait pas eu de stade. Ah, mais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en foot, il faut des moyens. C'est vrai, il faut des moyens. Mais il faut aussi une vision. Et je le redis. Mais est-ce que Natitengou, cette ville-là, cette petite ville seule, suffisait pour avoir autant de clubs? Il y avait les Lions, puisque je parle de l'étape. Il y a eu Racing. Et puis il y a Assouata également. Assouata, Taneka. Ça fait quatre clubs dans la ville de Natitengou. Oui, il y en avait beaucoup trop. Ça aussi, ça peut expliquer la situation. Non, moi, je ne pense pas. Honnêtement, vous savez, je ne vais pas aller loin. C'est prouvé qu'en Afrique, le mécénat ne marche pas. Même pas seulement en Afrique. Comme tout le monde en fait. On a fait le mécénat dedans. C'est tout le temps. Mais on continue là-dedans. Oui, on l'a fait tout le temps. Oui, mais on continue là-dedans. Malheureusement, on sait que ça ne marche pas. C'est avec ça qu'on a fait aussi la gloire du football. Non, pour moi, ce n'est pas la gloire, ça. Je suis désolé parce qu'il ne suffit pas de faire, je ne sais pas, un quart de finale. Il y a quand même des résultats. Non, pour moi, non. Ce n'est pas des résultats. Il ne suffit pas de faire un quart de finale d'une compétition pour dire. Donc, pour vous, vous ramenez tout maintenant, je dirais quoi, à du professionnalisme, carrément quoi. Il faut former. C'est le seul moyen. Vous parlez aujourd'hui du Sénégal. Vous pensez que le championnat sénégalais est fort? Le championnat sénégalais, il vaut quoi? Ce sont les centres qui font la sélection, qu'on appelle, j'oublie, ça m'échappe rapidement là. Il y a les hivernages aussi qui se soutent pendant les vacances. C'est la formation, point. On aura l'occasion de revenir de long en large sur la formation. Allez, vous permettez qu'on évolue parce que là, le temps joue contre nous. C'est de ce championnat que nous avons les locaux. Et les locaux seront normalement courant du 10 au 18 juin prochain du côté de l'Égypte. Pour un tour pour deux rencontres amicales, profitant donc de la fenêtre FIFA, Koweït, Syrie, je crois. Ce sont les deux nations qui sont les adversaires du Bénin. Et à l'occasion, eh bien, une liste de 22 joueurs a été rendue publique. Hein. Ce sont les guépards locaux qui relâchent donc de défendre les couleurs nationales à l'occasion donc de ce rendez-vous de cette présence du côté de l'Égypte. On va y aller rapidement avec les
les noms qui nous sont proposés par la régie, le gardien de but de Cavaliers de Niki, Yafissou, Adam, Yasuleman, Gankou Nourondine, qui enfin a été appelé pour défendre les couleurs de la sélection locale. Ganti Olympe, c'est un ancien de la sélection locale également. Et Souleymane Bachirou, qu'on ne présente plus du côté de Coton FC. Sabio Mouizou, c'est ça, de Damissa. Loto Popo en a également présenté, en a eu pour son compte. Bien de joueurs ont été appelés. Facine Rodrigue, c'est un ancien cadre de la sélection locale et même de la sélection A. Pour dire les choses comme ça, il y a Ronabil qui fait aussi son grand retour en sélection locale. Dassi, un garçon qui a fait forte sensation à l'occasion avec les U23. Ouais. Franchement, je crois que c'est un garçon qui a un an dans les jambes. Au niveau donc du reste de la liste, nous avons Bawa Salim, capitaine de Coton FC. Ongbedi, lui également un ancien de la sélection locale. Laodo Gislain, lui également, c'est un garçon qui a fait forte sensation lors des rencontres amicales que les sélections locales à disputer les du côté de Dadi FC, Roufaï Atanda, les requins de l'Atlantique, Sediame Patrice, capitaine de l'Auto Popo 0, doit avoir le sourire très large ce soir sur le plateau de Canal Sport à Loco. Rodolfo, lui également, c'est un garçon qui a une large marge de progression. J'espère qu'il va peut-être être beaucoup plus canalisé pour nous apporter encore beaucoup plus de verve parce que bon, il y a quand même un manque de concentration au niveau de ce garçon, sinon franchement il y a du bon au niveau de ce joueur de Dynamo d'Abomey. Et Abdou AS Cotonou lui également qui a été appelé avec bien évidemment les derniers qu'on va rapidement et dont on va proposer les noms tout à l'heure grâce à la régie. Nous avons Humpe Soumaïla de AS Cotonou, Mamoum Chérif à la hier, ce garçon comme d'ailleurs sur les autres matchs, ouais. Franchement je crois que Aboula Ozerou c'est du bon. Je suis fier, ce garçon. Plutôt franchement fier de lui. Je n'irai pas plus loin avec ton Rivaldo Boris Coton FC également, Vinibé d'Asvo et puis Tchao, lui également ne présente plus du côté de Asvo. Voilà aussi un club qui fait quand même du bon dans ce championnat. Et puis enfin deux autres, Adam Souleroufaï, meilleur buteur actuel de AS Takoune, il doit être actuellement à 5 buts, voilà. Et puis la famille Djangpata qui est présente, on a vu le frère appelé avec les U20. Là, c'est le jeune, c'est l'autre frère aussi qu'on appelle avec la sélection locale. Bref, du bon pour cette expédition. Jacques Okoumassou, rapidement. Oui, la question que je me pose toujours en tant que pas cadre ou formé, comment se fait-il que des clubs qui sont complètement en bas de championnat, qui sont derniers, arrivent à faire. Parce que je suis souvent des sélections dans les grands clubs. Je n'arrive pas à voir ces gens. Il peut y en avoir un au hasard, mais ici, j'en ai vu à fois. Ouais, je pense. Pas de AS Cotonou, Requin, c'est ça? Ouais, c'est ça. AS Cotonou, c'est deux. Milieu tableau. Et c'est des. Oui. Je crois que c'est beaucoup plus des habitués. Tout n'est pas mauvais dans Requin. Voilà, c'est beaucoup plus des habitués. Non, j'ai pas dit que tout est mauvais. C'est juste la question. Non, c'est une question de logique. Parce que vous prenez Soumaïla Honkwe, qui était avec les A il y a 3 mois. Oui. Donc, c'est logique s'il n'est pas appelé avec les A. Qui soit là ou maintenant avec les locaux. En fait. Ça s'explique. Ouais, c'est juste une question. Bon, là, je répondrai avec beaucoup de dignité à présent à votre question. La question est toujours les moyens sont mis. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Il a dit, et je renchéris, je abonde dans le même sens. Il faudrait qu'on parte à la formation. Il faudrait que les moyens que Talon est en train de mettre dans le développement du sport, qu'on arrive à avoir un centre de référence. Ce n'est pas normal que le Bénin n'ait pas un centre de référence. Oui, non, ce n'est pas normal. Il faut qu'on arrête de tricher. Le centre de Ndali. Non, le centre de Ndali. On a fait la détérioration avant pour Ndali. Il faut qu'ils ont compris. Je dis, c'est importantissime dans le développement du sport et dans le développement intuitif personnel de chaque joueur et de chaque encadreur, que l'encadreur se dit à des moments donné, j'ai la possibilité d'aller dans ce centre de référence si je suis appelé. Je crois que c'est les meilleurs d'ailleurs qui sont convoqués. Okay. Je voudrais juste apporter aussi une petite explication par rapport à la préoccupation de Jacques Okoumassou et préciser que parfois, surtout pour la performance de l'équipe, il y a que ça dépend aussi de la cohésion de l'équipe. Mais du moment où le joueur en question a du temps de jeu et surtout arrive à faire quand même la différence en termes de prestations techniques ou bien
sur le plan tactique. En termes de prestations individuelles, le convoquer en équipe nationale. On se rappelle bien sûr de Calvin Phillips quand il était à Leeds avec la difficulté, toutes les difficultés qu'il avait. Il y a également Declan Rice qui manque bien jamais, sûr, qui est un cadeau, mais pourtant il voulait rester à United. C'est toujours comme ça. Voilà, foot féminin, on va en parler rapidement. Et c'est d'ailleurs pour ça que Ozuru Ablé est avec nous. J'avais presque oublié. Non, du tout pas. N'oubliez pas. On va partir sans dire un mot sur le foot féminin. On va rentrer directement de Kumasi. Vous y étiez dans le cadre donc, de l'UFOAB. Les dames U20 étaient donc en compétition. On va y aller rapidement. Quand vous partez de Cotonou, est-ce que c'était dans un petit coin de votre tête, revenez avec la quatrième place? Je ne sais pas si je dirais oui ou non. Vous me répondrez dans un instant. Mais de toute façon, c'est que le Bénin, pour son entrée en compétition, a été battu par le pays organisateur, le Ghana 3-0. On dira logique, puisqu'à la fin, c'est le Ghana qui a été sacré champion de sa compétition, puisque c'est d'ailleurs le Ghana qui a abrité donc ce rendez-vous. Deuxième sortie, le Bénin trie la Côte d'Ivoire 5 buts à 2. Et là, on se dit, voilà, elles ont appris, je dirais, de leur contre-performance lors de la première journée. Qualifiées pour les demi-finales, seul chemin, il fallait rencontrer le Nigeria. C'est quand même une... c'est un cas de visite impressionnante, c'est un cas de pas de Nigeria. C'est pas seulement sur le continent africain, c'est une équipe mondiale. Wow. Et là, on se fait bouffer rapidement par le Nigeria, 3-0, et puis on dispute le match de la... On dispute la petite finale contre le Burkina Faso. Là également, je crois que c'est à ce niveau qu'on doit avoir des regrets parce qu'il y avait quand même quelque chose à faire au niveau de ce match. Malheureusement, on est passé à côté, on a été battu par le score de 2-1. C'est un peu le bilan, 5 buts encaissés lors de la phase de poule, 5 buts également marqués. Je crois que dans l'ensemble, satisfait de la performance légèrement. Des parce que en partant, l'objectif c'était de faire demi-finale. D'accord. Voilà, c'était ça l'objectif, faire demi-finale. Mais moi, dans ma tête, je me disais, voilà, la troisième place quand même. Parce que vous savez, en foot féminin, tout est déjà carré, tout est calé. En fait, on connaît qui est qui. Et le Nigeria et le Ghana, on sait que c'est presque intouchable. Et le Burkina, je dirais, c'est, voilà, ils sont dans une zone intermédiaire. Ils sont plus forts, mais ils sont moins forts que le Nigeria et le Ghana. Donc, on savait quand même que nos vrais adversaires seraient la Côte d'Ivoire et le Togo. Donc, on est passé devant la Côte d'Ivoire et le Togo. Il fallait trouver le moyen de battre le Burkina. Et effectivement, personnellement, j'ai des regrets sur ce match parce qu'on ne réussit pas notre première partie, mais on réussit notre deuxième mi-temps. Et malheureusement, on marque un seul but et on perd 2-1. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que nous venons de loin. Parce que cette même équipe du Burkina nous battait en 2019 9-1. Tout à fait. Parce que parfois, j'ai l'impression que les gens oublient. Ouais, ça, on oublie vite. On oublie très très vite et on se prend en fait pour le Brésil. Ouais. Ah, comme c'était le cas quand on est rentré de l'Égypte. Hein, de l'Égypte, voilà. Et je pense que ça nous joue les tours jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ça nous joue les tours. Parce que quand moi on finit un match contre le Ghana, par exemple, contre le Nigeria, et qu'on perd 3-0, le même Ghana ou le Nigeria, on fait la fine bouche en fait. Je me dis, on ne comprend pas en fait quoi. Parce que le foot féminin. En fait, ce n'est pas le foot masculin. La hiérarchie, il y a une telle différence que la hiérarchie est presque tout le temps respectée. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu le match contre la Côte d'Ivoire. Quand vous regardez les Ivoiriennes, technique individuelle, excusez-moi, elles sont supérieures. Ouais. Elles sont supérieures. C'est l'efficacité que vous avez fait. Voilà, on ne peut pas se comparer à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est quatrième nation africaine. Nous, c'est maintenant qu'on commence par être classé. Donc aujourd'hui, on bat la Côte d'Ivoire parce qu'effectivement, sur ce match, on a eu des bonnes idées. Et même, ça tient un peu au début de la partie, ça tient 30 minutes. Tactiquement, ça tient. Mais on commence à lâcher parce que vous avez quand même des équipes qui sont très très fortes. Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes juste à notre place. Okay. On est à notre place, mais on a envie d'avoir plus. Parce que cette troisième place, personnellement, On aurait pu la prendre, en fait. C'est vrai. Parce que en termes de bilan, et là, grâce à la régie, comme je l'ai fait constater tout à l'heure, ben, quand on fait du 3-0 et qu'on fait du 5-2 et qu'on fait on joue le Nigeria et qu'on perd, c'est que, bon, voilà, on a fini avec, les meilleurs continents. On se dit qu'avec les autres, ça peut passer. Et là, réellement, quand on suit le match contre le Burkina Faso, et là, franchement, on se dit, qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché? Parce qu'il y avait vraiment une possibilité pour nous d'accrocher la troisième. Sur la première partie, le match contre le Nigeria, je pense qu'il a pesé. Okay. Parce qu'elles ont couru. Elles ont couru. Il faut dire la vérité, vous jouez le Nigeria. Le Nigeria, quand même, sur cette année, a battu l'équipe de France, l'équipe de la Corée du Sud, l'équipe du Canada. Ce sont les meilleures nations mondiales. En fait. Donc, quand vous jouez une équipe comme ça et que vous courez autant,
cette équipe qui mettait 6-7 à tout le monde. Quand vous courez autant, c'est clair que sur le match de la troisième place, ça pèse un peu. Moi, donc, j'aimerais bien comprendre, au zéro, sur ce match face au Nigeria, j'ai vu votre équipe quand même jouer. Oui, certes, elles ont couru, mais elles ont joué. C'est-à-dire, n'ont pas constitué un bloc face au Nigeria. Pourquoi avoir choisi, opté de laisser les joueurs, les joueuses aller à l'abordage au lieu de les faire regrouper en bloc? Le bloc a été là, sinon je pense qu'on aurait pris 8. Il a été là, mais quand vous jouez, voilà, moi je pense, je dis toujours une chose, quand l'objectif c'est la demi-finale et qu'on vient en demi-finale, s'il y a une chance sur 1000 de remporter la partie, il faut la jouer. Ouais. Parce qu'à un moment donné, voilà, vous perdez, soit vous gagnez. Ah ouais. Donc il fallait quand même essayer de faire quelque chose. Ouais. Mais techniquement, nous ne sommes pas encore au niveau pour pouvoir jouer. Je salue déjà. Donc, en fait, on n'a jamais vu, on n'a jamais imaginé qu'on joue au Bénin. On aurait des équipes qui pourraient rivaliser avec les sommités du football féminin en Afrique. Okay. Au passage, moi, je remercie, je ne sais même pas pourquoi il a pris le risque. Et c'est ça, hein. C'est un gros risque. Oui, chaque fois, je me dis, mais il a une carrière énorme ici. Ouais. Et il décide de se saborder en prenant l'équipe féminine. Ouais. Mais à chaque fois, quand je suis à tes côtés, je suis heureux de dire que tu fais partie de mes amis, Ouzéro. Ouais. Mes félicitations. Félicitations aux zéro. Honnêtement, c'est frustrant. Parce que c'est pas de me. Ça, il m'arrive pas souvent. Je suis pas sentimentaliste et j'ai du mal à. Et puis les bons points, Jacques, vous êtes franchement l'avenir du football béninois et l'avenir peut-être du football féminin parce que vous le faites si bien, vous avez ce don de leur transmettre le savoir parce qu'on voit ces gamins, elles n'ont pas peur. J'ai regardé le match parce que c'est une qui m'avait transmis le lien, mais j'ai constaté que face au Nigeria, et comme l'a dit elles n'avaient pas peur. Elles ont joué. On s'imaginait même pas que vous avez mis en place un semi-bus, t'as pas vite. Mais dans le même temps, elles partaient à l'abondance. Elles utilisaient bien le pouvoir. Elles jouaient en ligne 2. C'était toute la panoplie de ce qui se fait. J'ai vu les gamines jouer en triangle et après centrer. J'ai dit, mais c'est fort. Ah oui. Et puis quand tu vois les Nigériens, nous avons des petites footballeuses. On a encore l'avenir. On a des petites filles qui ont quand même des gabarits et qui ont du vécu. Chez nous, Merveille, Sabourin, on a des petites filles. On a presque peur de la mettre dans le jeu. Parce que vous voyez la petite. Franchement, un chapeau, et good job, comme on le dit, good job. Voilà, toujours foot féminin, toujours foot féminin. Le document de la semaine proposé en avant-première dans Canal Sport Club, eh bien, Ali Mouni, vous êtes intéressé au foot féminin. Oui, vous avez après donc ce passage d'Abdoulaye Ouzerou et de ses joueuses du côté d'Accra, pardon, il était important quand même de revenir sur le parcours depuis quelques années des joueuses de football féminin et de constater quand même, parce que je me rappelle donc après le retour du Maroc, on a eu un entretien avec Ouzerou, il avait la passion, il avait l'envie, et puis il y avait aussi de très jeunes joueuses très talentueuses qui avaient également de la volonté, donc il était important de faire un point, de marquer une pause et de faire un point et d'analyser le chemin parcouru, de ce qui reste à faire. Et donc après les cadettes, les seniors, les scolaires et même les clubs, et bien ce sont les moins de 20 ans qui ont participé du 20 au 2 juin dernier, donc la première édition du tournoi FOAB Dames. Le Bénin a terminé 4e, ça on l'a dit tout à l'heure, de la compétition. Mais les filles n'ont pas démérité, n'ont pas fait piètre figure. C'est la preuve que le football féminin a de l'avenir. Mais que doit-on faire pour atteindre le haut niveau? C'est ce que nous allons découvrir dans le document de la semaine, en exclusivité, en avant-première d'ailleurs sur Canal Sport Club. En attendant, la version plus complète que vous aurez, ce sera donc ce mardi sur Actu Matin. En attendant, voici pour vous en 3 minutes 45 secondes, eh bien, l'avant-première de ce document signé Ali Moumouni. Face au Burkina Faso, pour la petite finale de la première édition du tournoi UFOAB des dames de moins de 20 ans, les Amazones se sont inclinées sur le score de 2-1. Elles terminent ainsi 4e de la compétition sur les 7 nations participantes. C'est une première. Je pense que on ne va pas trop discourir. C'est une participation première. Et quand on sait que notre championnat n'a qu'à peine 3 ans, face à des nations bien connues dans le foot féminin sur le continent, telles le Nigeria, le Ghana
et même la Côte d'Ivoire, le Burkina, tout ça. Je pense que c'est une participation qu'on ne va pas jeter tout de go. On va saluer quand même la prestation de nos filles. Beaucoup parmi elles sont à une première. C'est une équipe que j'ai trouvée quand même très convaincante. Pour dire la vérité, il n'y a pas beaucoup d'années, on a commencé avec le football féminin, même si entre-temps, on a eu tellement de crises. Je crois trois ans pour la troisième saison consécutive où nous jouons au football féminin. On peut être satisfait de ce qui se fait et de ce qui s'est fait, ce que j'ai vu pendant pour les jeunes filles de moins de 20 ans. Pour leur participation, les jeunes filles béninoises ont disputé 4 matchs. Logées dans le groupe A, elles ont perdu 3-0 face au pays hôte, le Ghana, et se sont imposées 5-2 à la Côte d'Ivoire. En demi-finale, elles se sont inclinées face au Nigeria sur le score de 3-0. En somme, les performances des Amazones U20 se résument à 4 matchs, 3 défaites, 1 victoire pour 8 buts encaissés et 6 marqués. Pour Dokkan, l'objectif pour nous sera de nous qualifier pour une première Coupe d'Afrique des Nations des U20. Mais c'était un peu difficile à voir les gros pédigrés en face, notamment le Ghana, le Nigeria et même le Burkina Faso qui a une très belle équipe. Vous savez, les Béninois ont réussi quand même à battre la Côte d'Ivoire, ce qui ne serait peut-être pas le cas il y a cela 2 ans. Ça montre un peu l'évolution un peu de notre championnat, cette régularité depuis quelques années. L'aventure du football féminin béninois, nouvelle version, a démarré depuis 3 ans avec le championnat national de la catégorie. Plusieurs équipes se sont engagées et à la retombée, la mise en place des différentes équipes nationales dames. Il faut dire qu'on est sur la bonne voie. Il va falloir continuer à pérenniser le championnat et surtout mettre l'accent sur des regroupements spontanés. C'est-à-dire regrouper un temps soit peu les filles de la tranche de 17-18 ans, ne serait-ce que 2-3 fois l'année, et ou les prendre sur un mois, voire 2 semaines, lors des périodes de vacances, à l'arrêt surtout du championnat. Il est évident que le Bénin ambitionne de faire du football féminin une discipline majeure au plan national. En témoignent les initiatives prises au cours de ces dernières années. C'est désormais une course contre la montre pour le mouvement sportif béninois et les autorités à divers niveaux. À cette étape, ils sont beaucoup attendus sur le chantier de la formation. Parce que quand on prend la carte footballistique du pays, je pense qu'il y a beaucoup de centres qui forment les garçons et il n'y en a pas pratiquement pour les filles, alors qu'on veut avoir des résultats à l'avenir. Heureusement, nous avons un gouvernement. Nous avons une fédération, une équipe fédérale ambitieuse. Nous avons de la chance que quand nous avons commencé, ça a pris réellement. Parce que je me rappelle, il y a à peine 2 ans qu'on a commencé avec le championnat scolaire. On a vu quand même les jeunes filles qui étaient allées du côté de la Côte d'Ivoire, où elles ont remporté le championnat scolaire de leur zone. Après, même si elles sont allées du côté de l'Afrique, il n'y a pas eu grand-chose. Mais on a constaté quand même que c'est les jeunes filles qui avaient de l'envie. L'avenir du football féminin est prometteur au Bénin. Le premier pas est posé, l'ambition y est et il ne reste que les actes qui doivent suivre. Voilà, la version plus complète est à suivre dans Actu Matin, de façon plus précise dans la rubrique Sport Matin. Nous tendons vers la fin de cette émission rapidement les extra time, parce que là, le temps qui nous est imparti est pratiquement arrivé à terme. Les extra time, Jacques Okoumassou, c'est la subvention, dites-nous. Vous avez déjà pris beaucoup de millions, nous avons vu la dernière fois le 28. C'est du 100 millions, c'est du 60 millions. Vous avez dit ça à toutes les personnes à qui on doit, on n'a pas encore payé le loyer de notre siège, là encore, il y a plein de choses. C'est quand même depuis le 28. Oui, en fait, la question, on est aussi, nous-mêmes, on est stupéfait parce que ce n'est jamais arrivé. La plupart du temps, depuis que le gouvernement de la rupture a pris fonction et depuis que les subventions sont données à bonne date, quand nous prenons les cartons là, c'est le lendemain, parfois le lendemain, 3 jours après, tout le monde. Oui, et puis, parce que on les prend souvent entre février et début mars. Et c'est la première fois où c'est arrivé en avril. Oui. Et jusqu'à ce jour, nous nous posons la question de savoir est-ce que c'est des subventions pour l'année prochaine, pour les compétitions 2023-2024. Parce que je dirige une fédération, une discipline où les compétitions finiront à terme en juillet. Il y a les championnats d'Afrique cadets juniors, les championnats du monde cadets juniors auxquels les gamins ont participé. Il y a le championnat d'Afrique dans quelques jours seniors. Et nous sommes en phase de nous qualifier pour les Jeux Olympiques avec un binational. Et Jefferson,
qui doit partir au championnat d'Afrique dans quelques jours, qui participe à toutes les compétitions en Europe. Il était aux États-Unis, donc qui va participer au championnat. Et si on n'a pas les moyens, avec déjà le peu de moyens. Vous avez essayé de comprendre pourquoi est-ce que c'est. Les peu de moyens dont nous disposons, on lui a déjà donné. Il participe aux compétitions. Il y a le championnat d'Afrique dans quelques jours à Sharm el-Cheikh en Égypte. Il y a le championnat du monde après à Milan. Donc on se pose la question, de quoi cela retourne? Quand on a demandé, on a appris que les clubs de foot ont été déjà, se sont déjà servis. Certains clubs de foot. Je ne sais pas. On m'a dit les clubs de foot se sont servis. Donc je crois que les fédérations, les petites fédérations, comme on les appelle affectueusement sous les tropiques, et chez nous, nous les petites fédérations, on n'a pas le droit de citer. On espère que, non, vous avez que le carton, les subventions, c'est plus 2023. Vous n'avez pas encore l'argent. Non, c'est gentiment. C'est peut-être les subventions pour 2023-2024. Ça viendra. On sommes le sein peut-être qu'en peut-être que d'ici, en sortant du studio, vous aurez un test. Dès qu'on dit que c'est 2023-2024, on va s'arranger pour dire, bon, on ne pourra plus aller aux Jeux Olympiques parce qu'aujourd'hui, il faut remercier le président Minavoa qui, au passage, nous a doté de 3 pistes. Il faut le remercier, le président du Comité national olympique qui a offert 3 pistes de compétition internationale avec les marquois électroniques à la Fédération béninoise. Nous venons de recevoir encore 15 000 $ du matériel d'escrime qui sont déjà arrivés au port de Cotonou. Donc, vous comprenez, aujourd'hui, nous sommes dans une phase de développement. Donc, il reste qu'à participer à toutes les compétitions pour permettre à ces gamins qui aujourd'hui ont remporté encore des médailles cette année au championnat du Togo, au championnat du Ghana et qui étaient au championnat d'Afrique et cadets juniors qui ont encore remporté des médailles cette année. Et nous sommes en phase de nous qualifier pour les Jeux Olympiques. Je résume, vous n'avez pas encore eu les non, je vous dis, on n'a pas encore. Les sous, ça viendra peut-être d'ici après-demain, je viens l'espérer. Mais en attendant, jetez un coup d'œil de temps en temps sur le carton et puis sur le portable pour voir si vous êtes... Ali Moumouni, cette fois-ci avec la Réunion Technique, ce sont les biscottes. Là, on va faire un peu le point. Ce qui est bon, de mauvais, et bien dans l'actualité, vous me direz un mot là-dessus tout à l'heure. La régie, c'est parti pour les biscottes. Biscotte, vous et Ablao Zéro? Ma biscotte pour mes joueuses. Ah, d'accord. Pour mes joueuses, félicitations. Félicitations à elles, c'est vrai, ça n'a pas été facile. Je crie beaucoup. Ah oui, je crie beaucoup. Ça, c'est, donc je leur dis voilà, c'est pour le bien. Et puis je me demande comment ça se dit un coach avec un gabarit aussi. Franchement, quoi. Non, ce sont mes filles. Vous ne terrorisez pas. Non, ce sont mes filles. Vous voyez, Marquet, vous appelez affectueusement papa. Elles comprennent que voilà, il faut ça parfois pour les filles. Donc le bon point, vous les attribuez à vous. Ah ouais, pour les filles, parce que voilà, elles ont été correctes. Parce que vous savez, c'est pas facile de gérer en tout cas les filles. Et il n'y a pas eu un seul souci en fait. Voilà, on a cette crainte. C'est vrai, le terrain est là, on a peur, mais parfois, il y a des petits problèmes. Vous restez 3 semaines ensemble, il n'y a pas eu un seul problème. D'accord. Du début jusqu'à la fin. Franchement, c'était top. Exemplaire. Ali Moumouni, les biscottes chez vous. Et donc, tout simplement, dit chapeau pour le club de l'USM Alger qui a donc mis fin à cette hégémonie. Ali a quitté le Bénin, il a les carrières sur le continent international. De la formation du Maroc qui s'imposait donc dans cette compétition de la CONCACAF. Et également, il faut donc tout simplement dire aussi chapeau à Al Ahly qui certainement revient avec le nouveau modèle donc de la finale de la Ligue des Champions, les matchs en aller-retour, qui a remporté sa rencontre la phase aller donc hier face à Wydad Casablanca en attendant la manche retour prévue pour le week-end prochain. Aller sur le continent. Jacques, comment sur le gros carton vert au président de la République qui a compris, qui a su que le développement du sport passe par les infrastructures. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a doté tout le Bénin d'infrastructures, mais il manque encore un terrain de foot à Dassa, chez moi. Voilà. Vous voyez, il caresse dans le centre du poil. Carton vert, et puis enfin, on dit que c'est un chef lieu. Non, mais Dassa le mérite vraiment. C'est un chef lieu. Dassa le mérite. Voilà, et moi, mes biscottes, le carton vert, bien, c'est à toute l'équipe de réalisation de ce numéro inaugural de la nouvelle saison de Canal Sport Club. Merci à toute l'équipe de réalisation, de diffusion, tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour la tenue et l'effectivité de cette émission. Je n'oublierai pas les responsables de cette boîte, pour ainsi dire, la directrice Metz Kakosa, le directeur éditorial Michel Chano, qui ont fait des plaisirs des mains, qui ont fouetté. Voilà, nous avons tenu le rendez-vous. C'est parti pour cette nouvelle saison de Canal Sport Club. Merci à chacun et à tous, vous, très chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout. Le rendez-vous est prêt pour le lundi prochain, sportivement votre.